Bonjour tout le monde, donc, test de ce custom ce soir, le custom de Jonathan, donc sur une base Marui standard noire 5-1, voilà, sur laquelle on a adapté une culasse donc Norris Edge verte, magnifique, avec un trigger Edge, canon externe en acier avec le pas de vis 11 mm pour le traceur, tige guide acier, canon de précision 6.01 inox, le trigger Edge, le marteau STI Square acier Airsoft Masterpiece, voilà, un pile interne donc full upgrade, les contrôles Marui, les mires Marui, on a juste changé, renforcé les vis de la mire Marui qui ont tendance à casser facilement. Là je suis à la 0.28 à 100 PSI, donc on va faire comme d'habitude, un petit tir, un chargeur on va dire, coup par coup, tranquille, pour voir la portée, la précision, la trajectoire, et puis après on s'approchera des cibles hein, pour allumer un peu plus. Donc des cibles, 4 cibles de 20 cm de diamètre, entre 15 mètres et 30 mètres, un buste humain à 30 et un buste humain à 35. Alors il n'y a pas de vent, c'est vraiment agréable, le buste humain ça part tout droit, ça touche direct là où on vise, à 35 mètres. Voilà, là je fais des doublettes sur 20 cm à 30 mètres, hein, donc c'est vraiment très très précis. Là franchement Jonathan au niveau de la précision, il est top. Bon j'avoue, là c'est condition idéale, il n'y a pas un pet de vent. Donc là je vois bien que la trajectoire de la bille, elle est vraiment excellente. Vous voyez, hein, quand je mets mon pouce ici pour caler la réplique, quand je tire, hein, les doublettes à 35 mètres, ça touche beaucoup plus facilement que quand je ne le mets pas. Hein. Franchement, c'est un régal. Franchement, c'est du régal. C'est du régal, régal. J'enchaîne, je tire quand même assez vite là sur une petite cible et ça passe super bien. Franchement, quand il n'y a pas de vent comme ça, c'est que du bonheur. Voilà, le chargeur là est vide, on va se rapprocher un peu, on va faire de l'ambiance rapidité pour voir un peu si ça enchaîne. Voilà, désolé pour les cloches, hein. En plus là j'ai le soleil vraiment dans la gueule. Donc là je vise pas, hein. Je tire au juguet. Il m'a fait deux petites rafales au début. Ça c'est pas grand chose, hein. C'est le sear spring que je vais réajuster. Ouais, ça marche très très bien. Hein.
là vous devez pas entendre les impacts avec les cloches. Je sais pas ce que c'est ce soir. Ouais, ça tire bien. Les deux petits incidents de tir là, bon, c'est pas grand chose. C'est le C-spring qui est réglé, est peut-être un peu trop léger. Et ça va me prendre 30 secondes à régler. Et voilà, là le mannequin, je peux vous dire qu'il ramasse. Hein. Voilà, j'ai le doigt qui fatigue comme d'hab. Voilà, plus de chargeur. Bah, écoute, Jonathan, franchement, il est prêt pour moi. Je vais vite fait revoir le petit coup de rafale, là, remettre 2-3 chargeurs, voir si ça persiste, c'est pas grand-chose, hein, c'est le C-spring à ajuster. Et puis, bah, je vais pouvoir te le poster cette semaine, hein, on se tient au jus pour les modalités de retour. Voilà, merci d'avoir suivi le test, la vidéo, je veux dire. Et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bisous, bisous.